Bonjour et bienvenue sur KGS TV, j'espère que vous allez bien, mes petits amis YouTube, moi c'est Savankel. Je vous rappelle le principe de l'émission, vous êtes les patrons de KGS Town. Vous dites donc dans les commentaires ce que vous voudriez voir construire, que ce soit les bâtiments de la Redstone ou votre système, les effectuer la construction, ou en vous montrant comment faire. Et surtout les vidéos sortent quand il y a environ 200 vues et une trentaine de commentaires. Donc, il est quand même nécessaire de répéter qu'il faut que ce soit cohérent avec le monde médiéval fantastique, etc. Et comme vous voyez, il y a Captain qui m'attend déjà, là, devant le golem de fer. Bonjour, ouais. Captain. Salut, salut. Et donc, aujourd'hui, on fait tout péter! C'est le jour fatidique. Hop. Allez, je te laisse appuyer sur l'interrupteur, je vais essayer de filmer ça bien. Bon, je me suis pas loupé. C'est parti. C'est toi qui as fait, hein. Ça pète pas. Ah non, ça pète pas. Ah putain, j'ai foutu un inverse. Pas dans le bon sens. Ça pète pas non plus. Oh putain! Si, ça pète. Si, en fait, ça m'a pété à la gueule. Oui, j'ai vu ça, oui. En fait, oui, non, j'avais foutu un... tu sais quoi, on va faire ça à l'ancienne. Yep, briquet. On va faire ça. Hop là, pourquoi s'emmerder? Je voulais faire avec de la redstone, tout droite. Bien. Mais... Oh putain, non! Ah, mais c'est vrai que je suis pas en survie, ça. Avec le premier qui. C'est de la lave partout. Ah oui, ça, j'avais pas prévu ça. C'est pas le problème. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans cet épisode, on casse tout. Et oui, on casse tout parce qu'on va faire du terraforming dans les prochaines. Donc, je vais mettre un peu plus de sauce, hein, si après tout, on y va comme ça. On y va à Franco de Port? Oh bah Franco de Port, pas non plus trop tu vois, mais un petit peu, histoire de... voilà. J'y vais doucement on va dire. D'accord. Oui c'était doucement ça. Ah si tu veux on peut y aller un peu... Tu veux une plus grosse explosion mon petit capitaine? Non c'est pas ça, c'est... Il faut que ça pète quoi. Ouais non mais j'ai compris ton malaise. Ça pète pas assez. T'as peur que j'y aille comme une tapette? Non mais ça va, j'ai retenu le message. Je sais pas où t'es en plus. T'inquiète, tu vas bientôt voir. Oula, y'a ton micro qui déconne un peu. De quoi? Ton micro qui déconne un peu. Ah mince. Tiens, va dans la maison là. Non, pas envie, trop peur. Ouh là là, ah oui, tu l'as bien chargé. Ouais, mais tu remarqueras que j'ai fait ça propre. Y a les autres bâtiments ne sont pas pétés. Y a un gros cratère. Mais voilà quoi, j'essaie de sauvegarder le marché quand même, hein, pour les gens, c'est le but, hein, parce qu'il y a tous les animaux et tous les villageois qui ont été parqués là-bas. D'ailleurs, il y a un chat qui est... Oh non, viens voir, le chat survivant. Ah, c'est à voir ça, regarde. Alors, mon copain le chat, tu vois, je me demande, est-ce que tu vas survivre? Ah, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit soutenu les dynamiques. Il miaule le chat, il sait qu'il va lui arriver des merdes. Oh, pauvre petit chat. Bon là t'as déjà commencé la destruction de cette maison, moi je termine. Hein. Ouais non mais vas-y, de toute façon, donc voilà. Donc dans cet épisode, oui, vous aurez voir beaucoup de destruction. Hein. Là pour une fois on vous montre de la destruction quoi, ça change, hein. D'habitude on construit. Y'a rien de créatif dedans. Hein. La création dans la destruction, ça peut être sympa. Hein. Oh putain, le chat il a volé. Putain. Ah écoute, hein, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Ah, ça lui apprendra. Ça peut péter là. Donc on casse tout. Alors pourquoi on dynamite pas tout d'un coup? Bah parce qu'on a nos serveurs, comme vous l'avez dit dans d'autres vidéos, il est ce qu'il est, et que bon, on voudrait pas non plus qu'il plante hein, pour ça. Bon à mon avis il en faut quand même pour faire planter, mais bon, hein. On va écouter la voix de la prudence. Enfin, capitaine quoi. Voilà, donc je suis apparemment la voix de la prudence. Hein. Ouais, comparé à moi, ouais, c'est de dire. Ça va péter. Ah, il y a même pas tout le toit qui est parti. C'est vrai que j'y vais comme... Ouais, j'y vais vraiment doucement. Là. Bah, moi aussi, je fais attention quand même. Ouais, parce que bon, bah, c'est pas évident, on empêche les gens hein, de tout casser la TNT. On a beau l'avoir déjà fait... Si. Tout casser en même temps sans... Comment dire... En essayant de sauvegarder des parties. Alors, vous inquiétez pas, on refera les bâtiments en hors ligne...
pour tout que soit comme avant, quoi. Tous les bâtiments que vous nous aviez demandé, ils seront, hein, je précise. Par contre, on en profitera pour donner quelques petits cours sur le terraforming, justement. N'est-ce pas, mon oui, petit capitaine? Alors, oui. Oh putain, le chien. Ah, bah, il y a plus de chien. Oui, mais disons que plus que des cours, on donnera nos conseils, comment oui, on voit la chose, parce que pas dit cours, hein. Ensuite on n'est pas des grands terraformeurs, hein. Ça, on n'utilise pas vraiment Voxel Sniper, qui est très utile dans ce genre de cas. On va juste faire ça avec Word Edit, tout simplement. Oui. Alors, ensuite, sachant que on regardera si vraiment ça peut être intéressant. On pourra toujours regarder à voir prendre Voxel, mais pour le moment on va faire avec des éléments simples. Parce que d'une, je suis pas un grand connaisseur dans le domaine, ouais, et de deux, c'est vrai qu'il faut s'y connaître un petit peu plus dans ce logiciel que je ne connais pas, ou dans ce plugin, je sais plus comment. Puis même, ouais, non, mais même sans parler de logiciel et tout, on va dire que les conseils qu'on va donner, nous, c'est pour faire ça à l'ancienne, quoi. Que, comme d'hab, hein, avec moi, de toute façon, à l'ancienne, toujours. Voilà, c'est ça, c'est un ancien. Tout à fait. Non, mais à la mano. Beaucoup de personnes qui lui disent. Vous n'êtes plus part, de notre temps, part. Monsieur. À part pour la destruction, là, je crois que ça va. Oh putain! Ah putain, mais connard, j'étais... J'ai pas fait exprès. J'ai fait exploser le toit, il y a la TNT qui est partie loin. J'étais en train de poser mes trucs. Peinard, et là, je vois des... de partout, je me demandais ce qui se passait. Ouais, mais de toute façon, c'est le genre de truc où tu sais que de toute manière... Mais tu le verras dans la vidéo, j'ai vraiment... C'était pas prévu. Ah putain! Ah, tu t'y mets aussi! Oui, donc oui, on s'amuse, on est des grands gosses, hein. Démolir, c'est fait toujours plaisir. Alors vous cassez les enfants, hein. Le jeu vidéo est violent, alors vous n'allez pas casser les voitures comme ça. Tu penseras à mettre moins de 12? Ouais, oh. Tiens, regarde le golem, tu vas voir le moins de 12. Moins de 12 paquets de dynamite, c'est ça? Rentre dans le trou, rentre dans la maison en dynamite. T'as mis tellement de torches ici que du coup j'arrive même pas à poser les blocs de TNT. Ah ouais, non mais là... Je sens que celle-là va être plus douloureuse pour le serveur, je te paye. J'arrive pas à me barrer, j'arrive pas à me barrer. J'en rigole d'avance. Oh putain, je vois les explosions loin. J'aurais dû filmer en fait quand tu faisais exploser aussi. Tant pis. Là, le truc, c'est que si je fais péter la maison, je vais toucher le marché. Ah oui, non, mais la fais pas péter alors, s'il te plaît. Le marché, bah, il est trop cher déjà. Ouais, mais le marché en lui-même, c'est pas grave. C'est surtout les chats et les chiens, c'est la misère à avoir. C'est dommage, à faire péter le marché, on va plus être drôle. Bah écoute, sinon, ce que tu fais, c'est que tu prends les laisses, les fameuses laisses, et que tu sauvegardes mes chats et tout ça. J'aurais dû les mettre ailleurs en fait. Parce que les villageois, au pire, je m'en fous, mais c'est vrai que les. Oui, car les villageois, je m'en fous, je le dis. On en récupérera d'autres, au pire. Il y a un bloc de TNT qui n'a pas pété pour nous. Mais par contre, le chat, ouais... Mais c'est que t'es en train de faire. Bah écoute, on va passer pour des petites bites, sinon, arrête. Faut au moins en faire une bien, quoi, d'explosion. D'accord. Bah, vas-y, alors. Celle-là, je t'attendrai pour... Comment dire? Enfin, tu verras dans la vidéo, mais je t'attendrai pour la faire. Moi, je vais me faire plaisir, là. Je vais faire péter un truc, mon pote. Je vais te compter. Alors, attends, avant de le faire péter, attends-moi, je viens filmer. Bah, pour l'instant, je place la TNT. Hein. Il y a déjà un truc qui a explosé tout seul, mais j'ai rien fait. C'est pour rien. Ça a sauté tout seul. Comme quoi, il faut pas jouer avec la dynamique. Enfin, pas trop, quoi. Ça fait un gros trou. Mais pourquoi ça pète seul? Regarde, je l'ai posé, le truc explose déjà. Ah oui, mais je l'ai foutu à côté d'un bloc de redstone allumé, c'est ça. En même temps, je sais pas pourquoi ça sert à rien, ça n'existe déjà plus. Hein. Oh, mais voilà, donc les viewers, vous l'aurez pas vu, voilà, c'est sa faute. Donc on a capté, m'en fous. Voilà, c'est, je peux pas le dire autrement. Il a tout fait péter sans que vous le voyez. Pardon. Allez, on s'en fout. Voilà. En tout cas, vous verrez la grosse explosion. Alors, si ça coupe la vidéo, ça voudra dire que j'aurais abusé. Je préviens à l'avance. Si on revient au bout d'un moment, c'est que... Ouais, non, mais le serveur redémarrera, si c'est ça. Mais par contre, la vidéo, elle sera coupée si ça pète. Ça redémarre quand? Mais il redémarre tous les matins. Non? Pourquoi tu l'as mis en pause? De quoi? Ah non, je sais pas. Ah non, mais c'est moi qui t'ai mis dans le lit, en fait. Oh, rien, je suis...
je suis en train de bomber, c'est... Bon alors, hop. Donc, oui, c'est ça, j'ai dit. Donc, j'étais en train de dire... Ah, il me faut aussi bomber le deuxième étage. Là, c'est pour des petites bites, quoi. Je sens que je vais tout péter à 40 km à la ronde. Oula, ma tour. Ah oui, alors faut vous dire que ma tour, moi je l'aime bien, enfin je l'aimais bien. Mais c'est vrai qu'il fallait la refaire. Bon, mais Captain la supporte pas, cette tour. Elle la trouvait pas assez grande, pas assez imposante. C'est un problème de compensation phallique, si vous voulez. Lui, il la voulait plus grande et plus grosse. Non, hein, c'est que ça ressemblait pas à une tour, dommage, quoi. Ouais. L'idée était là, mais ensuite le... Ouais, non, j'ai voulu faire... Attention, comme on disait tout à l'heure, là. On parlait des architectes. C'est vrai qu'entre l'architecture réelle et l'architecture Minecraft, il y a quand même un clivage assez important. Donc voilà, alors pour parce que c'était en neuf, donc je vais faire un petit résumé. En fait, je disais à Captain, enfin on en discutait, c'est vrai que lui est très architecture Minecraft pure, alors que moi, ce que j'essayais de vous faire dans d'autres vidéos, etc., comme vous l'avez vu, je suis beaucoup plus architecture, on va dire, classique et réelle. Et c'est vrai que c'est deux styles différents. Maintenant, voilà, c'est aussi l'avantage d'être à deux, c'est qu'on va essayer de faire ça bien, enfin on va continuer bien comme ça. Et donc ma tour était trop réelle, on va dire, pas assez phallique, pas assez grosse, enfin voilà quoi. T'as un truc avec ça aujourd'hui. Ouais, non, moi tu sais, les... non, parce qu'en fait dans Minecraft, ouais, moi, j'ai toujours, c'est un truc qui me faisait triper. Attends, t'as foutu aussi sur le toit. Ouais, mais non, faut qu'il se touche. Pas besoin. Le truc qui me faisait triper dans Minecraft, parce que je finis ma phrase quand même, c'était toujours de faire des grandes tours et tout. Et c'est vrai qu'on m'a tellement traqué avec ça, que et maintenant... Si j'allume l'interrupteur, là, il y a tout qui pète. Oh, mais tu vas attendre, faut que je filme. C'est pas... Moi, j'aurais pas de dégâts, c'est pas drôle. Mais non. Quoi, le serveur, il va cracher? Mais non. On va voir, faut pas qu'il y ait de reste. Bon, alors si ça pète... Oh putain! Ah ouais, non, t'as foutu tout autour du. Ou c'est moi qui ai fait ça? Bon. Je crois que tu vas appuyer sur le bouton ou j'appuie? Allez. Je te laisse appuyer sur le bouton, moi je vais filmer. Allez, à tout à l'heure au pire si ça pète. Attends, ça marche pas, attends. Ah, putain, y'a eu loupé. Voilà, c'est bon. C'est parti. Ah, mais t'as pas bien allumé. Hein. Ça a tout pété là! Oh, là. Ouais, il soutient bien, il soutient bien. Ah. Il a bien soutenu, il y a un gros cratère. Ah bah voilà. Bon, ça a un peu lagué, mais le serveur est là. Ouais, ça va. Franchement, pas tant. Ah oui, non, c'est clair, non, mais c'est clair. Allez, j'ai on va s'occuper bien. De la forge maintenant. Ah oui, en balcon militaire, on est des pacifiques. On va les pacifier, tout ça. Écoute, TNT, mais des pacifiques, hein. Ah oui, mais je suis pacifique, je suis pour la paix, à la TNT. D'ailleurs, ils vont voir d'ailleurs le camp militaire qui a été refait. Ah bah il aura pas été refait longtemps. Je vais aller filmer ça vite fait. Attends, je mets de la TNT. Bah je te laisse bourrer de TNT, je vais aller leur montrer vite fait. Je crois que je l'avais montré plus ou moins dans une vidéo, mais vite fait. Donc regardez, hein, vite fait, ce qui va être démoli. On avait commencé un tour dans un mur d'enceinte, qui sera de toute façon refait plus ou moins l'identique, je pense. Et le camp militaire, donc on avait rajouté une tour, etc. Et puis le reste, de toute façon... Le camp militaire, le camp d'archer, ouais. Le camp d'archer, oui, pardon, parce que le militaire était pas fini. Et que, bah voilà. Non, vu la quantité de dynamite que j'ai foutu, franchement, tu peux y aller. Oui, c'est ce que je me lâche, là. Ouais, voilà, je au pire, si ça plante, ça plante. Hein. De toute façon, je pense pas que je ferai de coupure dans la vidéo, pour une fois. Comme ça, ils auront droit à toutes nos conneries. C'est l'épisode où il y a tout qui pète, quoi. C'est ça. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de vues. Celui-là, ça sera sûrement un épisode bonus, tu vois. En tout cas, on vous l'offre avec plaisir. C'est dingue à quel point ça fait. Il est compliqué, long, minutieux de construire, mais quel plaisir ça fait aussi de tout faire péter. C'est un truc. En se disant que derrière, on garde quand même les trucs. Non, ça va. Mais l'effet catharsiste, c'est cathartiste. Oh, je sais plus comment on dit. Catharsiste, voilà. C'est jouissif. Vous pouvez pas comprendre, tu vois, le nombre où on s'arrache les cheveux pour que ça fasse bien, que ces putains de trucs, que ça fasse joli, que ça fasse bien médiéval et pas trop moderne. Ah, enfin voilà, si un jour vous le faites sur votre serveur, vous comprendrez que c'est un côté jouissif. Ah, d'ailleurs, on va faire un meurtre au passage. Que le truc est habité quand même. Oh oui, pas grave. Oui, bah oui, si tu fais le marché aussi. Non, pas le marché, mais...
Faut marcher dans les chats. Mais où que ça habite? Bah dans le... Ah oui, le pauvre vendeur. Oh pire. Tout à fait. Ah, il y avait l'herbe que j'avais cachée, que j'avais pas montré. Bah tant pis, voilà. Donc vous voyez, j'avais fait un petit champ d'herbe cannabis, ouais. J'avais fait un potager derrière le comment ça s'appelle, derrière le camp là. C'était pour décorer l'extérieur à la base, mais on l'a jamais montré. D'accord. Je sais plus où on était parti. Dans quoi on était parti. Donc comme vous voyez, j'abuse pas du tout sur la TNT, hein, c'est pas vrai. Oh, ça devrait suffire, pas besoin d'en mettre plus des tonnes et des tonnes, si. Non, c'est bon. Tiens, toi, tu rentres. Hein. Ah, rentre, je ferme la porte, hop, adieu. Ah oui, non, parce qu'il faut vous dire aussi, hein, que ces putains de villageois, si vous avez déjà construit, vous devez savoir ce que je veux dire. Ils se mettent toujours là où il faut pas, au mauvais moment. C'est fou, hein. À croire qu'ils le font exprès, ils veulent se faire laminer la gueule. Bon, hop, t'as construit haut. Ouais. Bah oui. C'est fait. Maintenant, on va continuer par là. Ouais, on va faire une petite réaction en chaîne là. Et on peut passer d'un bâtiment à l'autre, je vais rajouter des blocs. Alors, je vous apprends en même temps à détruire. Ouais, ça, je pense qu'ils ont pas besoin de nous. Hein. Ouais, ouais. Non, j'aurais dû donner la formule de la TNT aussi, c'est tellement compliqué. Bref, passons. Hop, par contre, du coup. T'en es où? T'as fini ou pas? Oui, oui, mais je pense qu'on va faire une pierre deux coups en fait. Ah, là, ouais, t'es sûr. Keiji Stone, ça va être Keiji Crater, tu vois. C'est... Parce que là, à mon avis, le serveur il tiendra pas. Enfin, je pense pas. Je veux pas le sous-estimer, hein. Notre super hébergeur. Tu sais, d'ailleurs, j'ai appris que Fanta et Bob étaient exactement sur le même hébergeur que nous. Je savais non. Pas. Ah, oh, si, ils m'ont. Enfin, je l'ai su, quoi. Et... Sans rire. Si, je te jure. Bah ouais, mais en même temps, c'était les premiers, hein, je crois. Donc du coup, tout le monde est là-dessus, quoi. Ah ouais. C'est peut-être les moins chers, je sais pas. Bon, c'est pas excessif, mais c'est pas non plus... Ouais. Bon, après, de toute façon... Bon, ça pètera pas tout, je pense. Du coup, je me suis calmé. Il y aura peut-être un survivant, qui peut. On décorera. Ah oui, là aussi. Le collier de TNT. Ouais, mais faut que ça se touche, faut que ça pète bien. Ouais, mais t'inquiète pas. Ouais, je m'inquiète pas, hein, je vais rajouter. Dans le doute, tape encore, hein, à la orque. Bon, allez, faut se dépêcher, parce que je crois que l'épisode non plus il fasse 50 minutes. Ou au pire, je couperai un peu au montage. Non, j'avais dit que je couperais. Un bloc qui m'emmerdait en plein milieu du truc. Je me demandais ce que c'était. C'est bizarre, j'avais rien mis là. Ah, mais si, j'avais mis ça. Oula. Ton micro qui repart en gonflant. Ah zut. Ah, alors c'est pour ça que Captain n'était pas présent dans les autres vidéos, mais vous voyez comme quoi acheter du matériel super cher. Ouais, je honnêtement je dirais pas la marque parce que j'ai pas envie de faire de la pub et tout, etc. Mais ouais, mais enfin tu l'as payé 5€, franchement gamer, n'hésite pas. Hein. Hein, qui est censé bien fonctionner, etc. J'achète la blinde. Ah, attends, on comprend pas tout. Ouais, voilà, oui. Et voilà, ça fait même pas un mois que je l'ai, que le truc a déjà dératé, quoi. Ouais, donc on a pas tout à fait compris, parce que je pourrais pas le rattraper à la vidéo. Donc tu disais la marque, c'était... Non, justement, j'ai dit que je ne donnerais pas le nom de la marque. Non, mais dis-le, c'est bon, il y a une marque où tu payes 90€, 5€ un casque... Non, mais tant que je suis pas sûr, si tu veux, que ça vient du truc, j'ai pas envie non plus de leur faire de mauvaise pub, alors que ce serait pas entièrement de leur faute. Ouais, mais on fera comme tous les journalistes, on dira qu'on s'excuse et... Non, je dirais ça quand je serai sûr. D'accord. Bon, allez, je pense qu'on peut y aller. Bon, vu comme tu commences à grésiller, ouais, va falloir. Ouais, c'est un peu. Ah, attends, je blinde encore un peu le trou là. Voilà. Peut-être que j'entends un petit peu les trucs. Oula, bon, au moins t'entendras ce que c'est, hein, ce qu'on entend. Tiens. D'accord, ok, je saurai. Ah, allez, je le laisserai. Bon, bah, vas-y, à toi le bon. Ok, partir. T'es où toi? Moi, je suis en hauteur, j'observe. J'ai plus de place. Alors attends, je vais rajouter un peu ici. Parce que même mon chat qui s'y met à faire de la connerie. Non mais stop. Ah, attends, on a dit en hauteur. Hein, je... Non, tu as pas fait. Tu es le poteau de la mort, quoi. T'es où? Viens à côté de moi, on regarde ensemble.
le feu d'artifice. C'est bon, je suis là, un peu au-dessus. Top, voilà. Allez. Là. C'est parti. Ah, ça se communique plus, la TNT. Pour l'instant, ça va. Alors, c'est la suite qui m'inquiète. Ouais, moi aussi. Oh là là. Oh, ça ramouille. Oh là, putain. Oh là. Ouais, comme les dominos, c'est parti. Oh, putain. Alors là, comme vous voyez à l'écran, ça rame un petit peu, mais il n'a pas freeze. Hein. Il a même pas freeze. Non, ça va. Franchement, impeccable. Hein, quand même. Ah, ouais, franchement, autant on a dit du mal. Reste un coup de toi, là. Ouais, bah, je sais pas. Il n'y avait pas assez de TNT, tu vois. Ah, mais c'est les blocs qui sont tombés, ça les a pas déclenchés. Bah, de toute façon, on va finir de nettoyer en neuf. Hein. Bon, donc voilà, c'était la destruction. Ah, il reste le manoir. Ouah... Ah, si tu veux pas. Hein. Bah, j'avais tellement chié pour le faire. Non, mais c'est bon, on va le faire en neuf. Like. On va finir là la vidéo. Donc voilà, donc les gens, bah écoutez, cette petite vidéo bonus et défouloir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Et puis des idées si vous en avez, et puis sinon on ressortira une autre vidéo sur la vraie construction un peu plus tard. Voilà. Ouais. Captain. Oui. Tu dis au revoir. Hein. Dis au revoir. Ah pardon. Au revoir à tous. Allez, à la prochaine les gens, bye bye. Salut. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.